Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est avec l'ami Youssef. Youssef, tu fais quoi? Un tag. Je sais Ah. pas pêcher, je tag. Allez, objectif. Une petite pêche en street fishing, on va dire ça comme ça, dans une petite rivière qui passe dans le centre-ville, pas très loin de Bordeaux. On l'a déjà nettoyé, vous l'avez déjà vu en vidéo. Bref, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pêcher avec des micro-leurres, hein, avec des petites cannes, pour s'adapter au milieu où on pêche. Une petite rivière sympathique. Au menu. Sauté de chevesne Voilà, accompagné sauce de de la barbeau. sauce barbeau avec potentiellement des poissons plats. Bon, ça on verra bien. Allez, c'est parti dans une eau transparente. On va essayer de pêcher avec des petits leurres. Moi je vais tester les shrimp minnows. C'est des nouveaux leurres urbaines Berkeley. Et on voit déjà des poissons qui s'en vont là. Je pense que ça va être actif. L'eau est bonne. On est en plein mois de mai. Dans les lacs, l'eau commence à bien se réchauffer. Donc c'est un peu difficile parce qu'il y a moins d'oxygène. Du coup, les poissons sont un peu moins actifs, mais là, dans ces cours d'eau où il y a du courant, logiquement, le taux d'oxygénation est plus important. Du coup, on va faire plus de poissons. Bon, du moins, ils seront plus actifs. Allez, c'est parti, mon Bon, cousin. cousin. Allez, fais-nous un lancer. Lance bien. Attention. Je peux pas. Il y a là. Il y a l'arbre. Il y a Allez, c'est l'arbre. parti. Allez, l'objectif c'est de pêcher avec ce tout petit leurre fait pour pêcher les poissons plus ou moins actifs avec des petites ailettes sur les côtés. C'est tout simplement le Shrug Minnow de Berkeley dans la série Urban. Donc pour pêcher en street fishing, tu peux pêcher avec une tête plombée comme je t'ai montré ou alors en drop shot, ça peut être pas mal. Je pense qu'on va s'éclater. Ce genre de petit leurre m'amène. On va essayer de faire les petits barbeaux avec. Les chevesnes, on va essayer de s'éclater. On va remonter la rivière petit à petit. Et Youssef, lui, va pêcher au micro spinner. Donc, on va essayer de faire une comparaison entre leurre souple et leurre dure ou wire bait. C'est parti, mon cousin. C'est parti. Chaud. C'est pas chaud. Allez, je vais pêcher avec la Trax MX3 LE Mitchell en 3,15 grammes, canne light ML. Et avec le moulinet MX6 Light en taille 2500. Voilà, j'ai une tresse en 8 centièmes, il me semble, ou 10 centièmes. Maximum. Et ce petit leurre, le Shrug Minnow Berkeley. On va essayer de faire quelque chose de sympathique pour pouvoir vous divertir et faire du poisson à gogo. Allez, on va régler la mire parce que. Et non les mires. Ah, c'est marrant ça. Parce que les arbres. Je pense qu'on va faire beaucoup de pêcheurs arboricoles, je pense. Alors, on va essayer de faire ça. Tu te rappelles la dernière fois quand on avait croisé un œuf? Ouais, le serpent aussi. Ah non, là. Ah ouais, le serpent aussi, ouais, c'est vrai. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Ah non, non, c'est bon ici. Ah, à gauche. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Oh, bien ça, regarde ça. Des beaux chevins. Des très beaux chevins. On va pas bouger. Mais là, ils nous ont vu, c'est mort. Ouais, tu vois le mur là, tu vois, il y a le lierre qui monte là. Ouais. Au pied du lierre. Il y a un énorme, je pense qu'il y a un énorme, c'est un énorme. Ouais, ils sont beaux. Ouais, il y a des beaux poissons. Encore faut-il qu'ils veulent bien mordre. Tu vois, ils sont sur le côté. Superbe. Là, j'ai envie de te dire bravo. Là. Oh. La touche est pas sûre. Hein. Ah alors.
sont malins quand même. Hein. Regarde, c'est ça, plus. Bah. C'est malin. Wow, regarde les poissons qu'il y avait devant. T'as vu? Poisson. Wow, c'est quoi? Non. C'est quoi? C'est quoi? Oh, c'est un chub. Je l'avais pas dit ou quoi? Superbe. Voilà un beau petit cheven dans le noir là. Ils étaient à l'ombre. Ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, va, retourne à l'eau. Allez, va. Hein, c'est bon ça. Tu l'avais dit, tu l'avais dit. Oh, poisson. Ouais. Allez, poisson. Encore un cheven. De belle taille, hein. Ouais. C'est des beaux poissons, hein. Voilà. Yeah. Celui-là, il a gobé, quoi. Il pêche pas, mais il donne les bons plans. Vas-y, mon frérot. Allez, va. Bye bye. Ils sont tous calés. Ils sont tous calés dans le noir là-bas, t'as vu? Allez, 2-0. Avec gavé de poisson là. C'est mort, ils nous ont vus. Regarde tout ce qu'il y a là. D'habitude, il n'y a pas d'eau comme ça. Hein? D'habitude, ici, il n'y a pas... Il y a plus d'eau. Parce qu'il n'y a pas d'eau, c'est... je sais pas si c'est... À moins que tu es grec. Pas d'eau pour l'eau. Ah, pas poisson non plus. T'as pas envoyé, t'as pas envoyé sujet vers complément. Ah, pas poisson. Il n'y a pas de sujet vers complément. Là, il y en a là. Attends, attends. Regarde tout ce qu'il y a. Ils sont devant nous. Ah, ils sont... Le con. Quoi, raté? Non, non, il est venu carrément, les deux là, devant. Ils sont carrément venus voir le leurre et puis ils le suivaient. Oh, calme quand même, hein, hein. C'est bien. Oh. Ah, le con. Viens le voir, hein. Ouais. Devant, c'est deux fois il est mort. Oh. J'aime le béton. Mange du béton, crache du béton, chie du béton. Poisson. Oh, oh, oh. Oh non, décroché! Oh. Celui-là qui est. Celui-là il était beau celui-là. C'était celui qu'on avait vu dans. Non! Voilà. Oh! Ah, j'ai décroché un super poisson là. Ça se trouve, je l'avais harponné peut-être. C'est possible. Je sais pas. Oh, c'était beau. Je me demande bien ce que c'était. Ouais, poisson. Non! Prends mon leurre. Tiens. Je vais d'avoir une touche encore. Et tu veux voir ta tête tombée? Elle est pas trop longue? Ouais, elle est un peu longue. Ah ouais? Oui. Attends, je vais t'enfiler une. Attends, viens avec moi. Viens, viens, viens. Prends ça. Je pense qu'ils sont, ils sont sur ça. Ils sont sur ça. Bah ouais. Bon, je vais passer à Youssef les Shrug Minnow. Un Shrug Minnow avec une tête plombée en 2,5 grammes. J'ai l'impression qu'ils sont sur ça parce que je viens encore d'avoir une touche. Donc on est potentiellement sur quelque chose qui fonctionne. Mais Youssef est têtu, alors c'est pour ça qu'il faut le convaincre. Je pense que vous en êtes rendu compte. Ouais. Ouais. C'est pour ça que je le convainc. Nous convaincons. Aïe. Je convainc, tu convaincs, nous convainc. Nous convainc Cam. Nous convainc Cam, nous convainc Tat. Cut. Tut. Nous convainc Cation.
Bon bref, ouais. Nous avons convaincu. Allez mon frérot, là je le sens bien pour toi. Là. Oula, par contre c'est... Tiens, je te donne ce leurre. Merci. Objectif, poisson. Vas-y, fonce. C'est obligé, tu vas faire un fichier là. Là, il y a un trou. À mon avis, là, c'est une trop de merde. Fiche. Petite, hé, regarde. Hey, je parlais de quoi tout à l'heure? De la perche chaude. De la perche, je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de perche. De perche, mais voilà. Hey, la, la petite perche. Le leurre à Bibi. Tu valides ou pas? Je valide. Fort. Je valide fort. Okay. Il est là. Voilà. Nickel. Je et petite perche ounette. Allez, va dire à ta sœur de venir me voir. Bon allez, on continue. Youssef a fait une perche, moi j'ai fait quelques chevaines. Difficile de lancer, hein, Youssef, hein. C'est assez restreint, il faut... Je pense qu'il faut s'entraîner, peut-être je vous ferai une vidéo où, comment bien lancer, comment bien s'entraîner. À lancer, ça peut être pas mal. En plus, il y a gavé d'herbe. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on voit du poisson et ça, c'est cool, tu vois. C'est cool et c'est frustrant. Parce que tu les fais pas et voilà, c'est un petit peu frustrant. Bon, allez, on continue, mon frérot. Et ton objectif c'est toucher quand même un petit chub. Allez, on y va, on continue mon gars, sale. Toi t'en as devant toi là, t'en as gavé. Mais là ils nous ont vus. Ils nous ont vus ces petits rafiutes. Là, ce qu'il faut c'est se poser et attendre peut-être, non? À gauche, il y en a là. Tu peux tirer où? Ah, là-bas, à droite, ouais, bonne idée. Sur les bordures. Hein. Poisson. Ouais, c'est un beau. Ouais. Wow. Il est vénère, mon gars. Un beau poisson. Ah. Là, on est sur un beau poisson. Là. Petite photo. Super. Voilà, un beau poisson encore. Toujours avec le même leurre. Aïe aïe aïe. Je le mets à l'envers comme ça. Voilà. Allez. Celui-là était beau, il faisait de faire 35. Ouais. Regarde ça. Wow, il y en a des beaux, hein. Regarde tout ce qu'il y a là. Ah ouais, subhanallah là. Qu'est-ce qu'il fait là? Si tu le fais au spinner mon gars, j'hallucine. Ouais. Il part là-bas. Ouais. C'est bon, il est tellement mouche, je sais pas si on peut bien l'approcher. C'est une petite carpe. Ouais, c'est une carpette. Oh, je me suis approché. Ah oui. Qu'est-ce que tu ramènes? Ah, un masque. Il y a un poisson rouge les gars là, juste là. Je sais pas si vous le voyez. Juste là. Par contre, il a pas peur. Hein. Hop, hop, regardez, il s'enfuit, Hop, il est reparti dans son. Dans sa cachette. Dans son aquarium. Mais ils y sont là, tu les vois. Salut mec, ça va? Oui. Tu vas bien? Oui. Tu as un détecteur de poissons? Ils sont où? Oh, il y en a un beau là, mon gars. Ils sont où, tu m'as dit? Regarde, il est là-bas, le gars, à côté de vous. Ah oui, il y en a plein. Mais là, ils nous ont vus, là, c'est mort. Tu vois, quand ils te voient, après, c'est fini, tu vois. Toi, tu pêches un peu, toi? Oui. C'est bien, ça. Il faut pêcher, hein.
Bon, allez, ça y est, c'est terminé. Yus, c'était cool, hein? C'était cool. Franchement, c'est bien marré. Alors, on n'a pas pêché longtemps, on a dû pêcher 1h30. 1h30 max. Voilà, on a fait 5-6 poissons. On s'est éclaté dans une petite rivière avec un tout petit leurre, des cannes light. Que demander de plus? Rien. Un brochet métré peut-être. Ouais, c'est dur là. Ouais, dans ça c'est dur. C'est dur. Mais en tout cas, c'est super cool. Les petits minots là de chez Berkeley Urban, c'est vraiment sympathique. Ils ont bien marché. Très bien. D'ailleurs, C'est ceux qui ont marché d'ailleurs. Parfois, c'est ça aussi, hein. On cherche le leurre qui fonctionne et puis on essaye à nouveau et on devient confiant et on pêche que avec ça après. Bon, bah, ce sont des leurres qui ont une spécificité, qui ont une queue inversée. Je sais pas si t'as remarqué. Ouais. En fait, au lieu d'avoir la queue vers le bas, ils ont la queue vers le haut. Ça, c'est une autre histoire. Regardez Marc Dorcel, vous allez voir ce que c'est. Joe. C'est pas mal. Ah, elle est bonne, celle-là. Sur cette blague de merde, n'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram de Monsieur Youssef. S'il vous plaît. C'est quoi, Pika Fishing? Ou Youssef Fishing. Youssef Fishing. YOU2SEF Fishing. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. C'est la juste récompense et ça lui fait plaisir. C'est cool pour lui, tu vois. J'estime que c'est bien de monter et d'être connu, mais c'est mieux d'être connu à plusieurs. Voilà. Donc quand j'ai des collègues et des potos avec moi, l'objectif, c'est de les mettre en avant, plus que moi. En tout cas, ça fait plaisir, Yous, merci. Ouais, on se refait ça quand tu veux, ma gueule. Quand tu veux. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Allez, la famille, merci à vous d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas... C'est que de la pêche. Et c'est que de la pêche, mon ami. Voilà. Pas la pêche Melba, hein. La pêche tout court. La pêche de pêche. La pêche qui pêche, quoi.